Salut Tristan, ça va? Salut Sylvain. Et j'ai fait un très beau rêve cette nuit. Hein? Quoi? J'ai rêvé que j'ai volé la blonde de quelqu'un. La blonde de qui? Je sais pas, un gars, je connais pas ma part. Elle était chic, comment? Ouais. Puis comment t'as fait ça? Ben, je sais pas vraiment. On se promenait sur la plage, puis on a roulé dans le sable, et puis on s'embrassait un peu, discrètement, pas affalé sur son chum. Ah, évidemment. Et puis elle m'a laissé son numéro de téléphone. Elle te l'a écrit sur un coquillage. Non. Elle l'a récité quelques fois, puis je m'en suis souvenu. Là. Ouais, c'est un beau rêve. Mais tu sais ce qui est le plus drôle là-dedans? Non. C'est que ce matin, je me suis réveillé, et je me souvenais toujours de son numéro de téléphone. T'en souviens encore? Ah, bien sûr. Oui, c'est quoi? 770. Ben, appelle-la, mon vieux. Ben, j'y ai pensé quand je me suis réveillé, mais... Ah, ça serait bizarre. Ça serait très bizarre. Imagine la scène, ça serait drôle. Ouais, ça fait plus cinéma que réalité, hein. Tu pourrais en faire un film, pour le cabaret, hein? Oui, je vois déjà le film, hein. T'aurais le gars qui, lui, joue dans une comédie romantique à la Hollywood, puis de l'autre côté, t'aurais la fille qui, elle, vit un genre de film d'horreur avec ce maniaque qui lui téléphone, qui lui raconte ses rêves et qui demande de rouler dans le sable. N'importe quoi. Effectivement. Mais ça pourrait marcher. Ouais. T'as juste à trouver une actrice. T'as une idée, toi? Mais le numéro, tu t'en souviens encore? Ouais. Appelle-la. T'es con. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est qui? Mon nom est Sylvain. Écoute, ça va sans doute te sembler étrange, mais je fais un court-métrage et j'ai besoin d'une actrice. Est-ce que ça te tente? Ah, t'as pris mon numéro à la Kino Cabane? Oui, c'est ça, à la Kino Cabane. J'étais tantôt et j'ai pris quelques noms alors. Oui, ben, je serai disponible pour aujourd'hui, si ça te tente. Parfait. Est-ce que tu peux me rappeler ton nom? Ben ça, tu sais pas? Oui, je devrais l'avoir, mais j'écris plusieurs noms et numéros sur le même papier, par conscience environnementale, tu vois, et là, j'ai trois noms possibles pour un seul numéro. Ah, OK. Bon, ben, en tout cas, moi, c'est Julie. Moi, c'est Sylvain. OK, ouais, je savais, là. OK, on peut se rencontrer pour discuter du film? Oui, juste dis-moi où et quand, là, je vais être là. Dans le parc, derrière le musée. Dans une heure? Oui, mais pourquoi dans le parc? Il faut que je fasse du repérage pour une scène. Ah, OK. Ben oui. Tiguidou, à tantôt. À tantôt. Sylvain? Hey, Julie! Hey, salut, oui, c'est moi. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Alors, ton film? Ah, ouais, je sais pas encore ça va être quoi, j'ai pas fini le scénario. Ah, ouais? Mais t'en fais pas, j'ai une très bonne idée, puis je vais tout expliquer, ça va être bon, tu vas voir. OK. Est-ce que t'entends de la musique, toi? De la musique? Non. Y'a pas de musique? T'es vraiment pas doué avec les femmes, toi. Hein? Ça n'a pas d'allure. Si on t'avait laissé là 2 secondes de plus, t'aurais sûrement commencé à parler d'autoréférence ou je ne sais quoi. Non, l'autoréférence, c'est moi, ça. Ah, pardon, Sylvain. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que Sylvain est avec la femme puis on n'a vraiment rien à craindre. Qu'est-ce qui se passe ici? Je rêve ou quoi? Non, le rêve, c'était avant le film. Ça, c'est la partie étrange du film. C'est un peu le méta-film, mais c'est surtout le méta-Sylvain. Je viens d'inventer ça. N'importe quoi. Hey, je n'ai pas écrit le scénario, hein. C'est quoi cet endroit? Ici, c'est un bar. On vient ici après notre chiffre ou quand on est en vacances. On a tout notre job. Puis toi, c'est vraiment pas les femmes. Et c'est le trombone? Oui, et aussi laver les toilettes. Moi, je fais la vaisselle, je suis bon avec mes mains. Moi, ça va faire, là, je décrisse. Donc, qu'est-ce que tu penses de mon film? Fais juste l'embrasser, crise de con. Hey, Sylvain. Salut, Tristan. Encore terminé? Ça achève, là. Et puis, est-ce que c'est comme ton dernier film autoréférentiel? Avec tout le monde qui se met à danser sur Tom Jones. Non, c'est fini. Point final. Ça prendrait un générique. Oui, alors scénario, réalisation et musique par Sylvain Poitras. Tu vas faire tout ça? Oui, puis François va être le caméraman. Qui sont les acteurs? Il y a toi et moi, et je pensais à Nadia. Tu sais, elle était à Kino Cabane l'autre soir. Ah oui, bonne idée. Mais voilà, allons Kino.